Moi, c'est Lola, mais tout le monde m'appelle Lol. Et bah franchement, ma vie, c'est pas une partie de rigolade. D'abord, il y a le lycée. Je suppose que vous avez une bonne raison d'être en retard. Vous allez rire. Tel que vous me voyez là, je suis au maximum. Ensuite, il y a les mecs. Elle m'énerve. T'inquiète pas, c'est pas le style de mère. Je veux pas que ça pourrisse notre amitié, Lola. Et pour finir, il y a ma mère. Ouh. Mais Lola, comment tu t'es épilée, là? Maman! Bah quoi, maman? C'est juste que j'aime pas les poils, c'est tout. Mais ceux-là, personne les a vus, hein. Elle fume, Lola? Ça va pas, non. Papa se retape maman. C'est pas vrai. Ah, tu sais, moi, ça fait longtemps que je crois plus du tout à leur histoire. Tu vois pas d'autres femmes à part moi? Je vais te demander un service. Mmh. Je veux pas qu'on fasse l'amour. Ça fait 8 ans qu'on se connaît. Mais fais-le avec ton mec. Lui, je lui dis que j'avais déjà couché. J'ai pas envie qu'il sache que j'ai menti. Vous êtes vraiment taré, les meufs. Hein. Je l'aime. Alors, on commence par quoi? Les pétards ou les capotes? C'est pas moi, hein? Oh, maman, ça va, hein, c'est pas drôle. Mais t'as pas une crise pour quelques malheureux pétards, alors toi, t'en fumes tous les soirs dans ta chambre, quand même. Si je te chope encore une fois avec ça à la maison, tu sais quoi? Tu vires! Tu vas vivre chez ton père, ok? C'est pas si grave. You can't always get what you want. Je te rappelle que t'es son modèle sur Terre. Si elle commence à te suivre sur la route du cul,